Vide de toi, vide de tout. Désemparé, je t'ai cherché partout. Le cœur en exil, enchaîné à mes désirs. Emprisonné, captif de liberté. Oh, oh, mon cœur chavire. Oh, oh, tu parles et je revis. Oh, oh, tu me captives, je ne vois plus que toi. Tu m'as capturé par ton amour. Bonjour, mon nom est Philippe Trudel et bienvenue à l'église communautaire Mountain View, une église où tous sont invités à découvrir et expérimenter Jésus pour ensuite influencer leur communauté. Pour ceux de vous qui sont nos invités pour une première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants passionnés par notre foi en Jésus. Comme vous pouvez le constater, nous sommes également multigénérationnels. Les gens associés à notre église sont à différents niveaux de leur parcours de foi. Notre désir est que chacun soit rencontré dans son besoin spirituel. Vous allez découvrir que nous sommes une église qui aime chanter et proclamer la parole de Dieu. Alors, bienvenue à cette célébration. Bienvenue à cette célébration. C'est ça que ça dit. Est-ce que vous êtes prêts à venir célébrer? Hein? On peut-tu acclamer le Seigneur ce matin? Amen. Je veux commencer avec le chant qui dit « Béni soit le nom du Seigneur ». Comme le psalmiste nous dit « Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez, louez le nom ». Hein, il dit deux fois « Louez, louez le nom de l'Éternel ». Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Pourquoi? Parce que l'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à lui, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il baisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile et il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Êtes-vous prêts à louer ce matin? Amen. On peut se lever ensemble? Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverse ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur.
De t'avoir dans nos vies. On ne peut pas même s'imaginer qu'est-ce serait la vie sans toi, Seigneur, sans l'espoir que tu donnes, sans la force que tu renouvelles en nous, Seigneur Jésus, sans la joie que tu procures. Oh, merci, Jésus, tellement, tellement de bienfaits, tellement de bonté. Alléluia. Pour le prochain chant, j'ai goût de mettre en contexte les chants ce matin. Le prochain chant qui parle du Dieu d'éternité, qui relève, c'est vraiment basé sur Ésaïe 40, 31 qui dit « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Amen. Donc, il y a vraiment une force surnaturelle qui émane pour celui qui compte sur l'Éternel. Il y a 2 Corinthiens aussi, 4, 8, qui disent « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Inquiets, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non anéantis. » On voit-tu la différence? Hein? On peut vivre ces émotions-là, mais ça ne nous met pas à terre. C'est ça que ça veut dire. Le Seigneur ne nous lâche pas dans cette détresse-là. C'est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel, oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel, oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais, tu es le Dieu. Se confie et repose en l'Éternel, oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel, oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais, tu es le Dieu. Yeah.
Dernier chant, et non le moindre, ce nom est si merveilleux. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce matin, mais il y a une thématique autour du nom du Seigneur. Hein? Parce que la puissance est dans le nom de Jésus. Et pour ce nom est si merveilleux, j'avais le goût de vous lire dans Matthieu. Et boy, je te dis que petite madame a vieilli. Quand Jésus il était mis sur la croix, c'est tellement puissant. Je ne sais pas si vous avez lu dans Matthieu dernièrement, là, mais je vous invite cette semaine à relire Matthieu 27, quand Jésus est crucifié. Ça dit, « Jésus poussa un grand cri et mourut. Mais à ce moment, le rideau suspendu dans le temple se déchira depuis le haut jusqu'en bas. » La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et de nombreux croyants qui étaient morts revinrent à la vie. Wow! C'est-tu pas puissant, ça? J'ai pas entendu d'amen, je sais pas pour vous autres, là, mais ça dit plusieurs qui étaient morts, plusieurs croyants sont revenus à la vie, ils sortirent des tombeaux. Et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans Jérusalem, la ville sainte, où beaucoup de personnes les virent. Le capitaine romain et les soldats qui gardaient Jésus avec lui virent le tremblement de terre et tout ce qui arrivait, et ils eurent alors très peur. Et ils dirent, il était vraiment le Fils de Dieu. Dans Romains, ça dit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou pliera devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Toute langue confessera que je suis Dieu et chacun de nous rendra compte pour lui-même. » Vous savez,
Si vous êtes malade ce matin, je ne sais pas s'il y en a qui sont malades dans leur corps, vous avez besoin d'une guérison quelconque, mais avec ce qu'on vient de lire ce matin, qu'on puisse juste focaliser là, OK? Si Jésus est mort, il n'y a même pas personne qui a prié pour personne, juste la puissance de la mort, la croix, Jésus qui est allé chercher les clés, qui est descendu dans l'enfer, qui est allé chercher les clés pour nous donner la victoire. Si juste cette mort-là a permis que des rochers se fendent, que des rideaux dans le temple se déchirent et que des morts reviennent à la vie, c'est le même Jésus ce matin. C'est le même Jésus, c'est la même puissance. Cette mort-là était pour les chrétiens d'autrefois, pour les chrétiens qui ont été avant nous, pour les chrétiens d'aujourd'hui et pour ceux à venir. Amen. Alors ce matin, qu'on chante que ce nom est si merveilleux, avec vraiment, si vous avez besoin d'une guérison ce matin, que ce soit émotionnel, que ce soit physique, juste placez vos mains comme en vase, juste prêt à recevoir ce matin la part de Dieu. Tu l'étais là dès la création, Fils unique de Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oui, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareille. Oui, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Non, rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oui, ce nom est si glorieux. Ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des armes. Ce nom est victoire.
terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des armes. Les enfants, as-tu des enfants dans la salle? Quelques-uns. Un trio. Des mecs croquettes. Alléluia. Merci Seigneur pour ces merveilleux enfants. Ah, ces enfants Seigneur qui pendant la semaine affrontent tellement de choses à l'école avec... les amis, les professeurs, tous les changements. L'école est tellement à l'envers depuis la pandémie. Ils sont continuellement dans l'adaptation. Seigneur, ils en vivent des affaires, nos enfants. Ils ont besoin vraiment de résilience. Ils ont besoin de flexibilité. Ils ont besoin de courage parce qu'il y a des enfants qui sont méchants entre eux, qui font de la peine. Et souvent, leurs petits cœurs sont blessés, sont meurtris. Mais Seigneur, ce matin, que vraiment ils puissent avoir un temps béni ensemble, que tu puisses vraiment les remplir de joie, Seigneur, que tu puisses
parler à leur cœur ce matin, qu'ils puissent s'encourager les uns les autres et vraiment sortir d'ici avec une paix, avec une nouvelle joie, Seigneur, et un courage prêt pour affronter cette nouvelle semaine. Bénis la personne qui va être avec eux ce matin, que tu puisses inspirer cette personne, Seigneur Dieu, et même amener cette personne à prier pour les besoins des enfants. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Quel temps merveilleux de louange qu'on a eu ce matin, hein? Non, je suis seule dans mon petit coin. Merci Marie-France, merci aux bandes. C'est grandement apprécié. Vous allez bien? Good. Vous êtes beau en tout cas d'ici, là. Je suis sûr que de proche, vous êtes beau aussi, là, mais de loin, vous êtes beau aussi. Donc, dans les dernières semaines, on a vu, en fait, que célébrer les fêtes bibliques peuvent changer nos vies ou notre perspective de comment on voit les choses. On est d'accord avec ça? Je ne les nommerai pas parce que je ne vais sûrement pas dire les bons noms. J'ai juste Chichtaouk dans la tête, mais ce n'est même pas ça le nom de la fête, là. Mais vous irez les voir. Vous irez les voir. Je sais que la semaine passée, il y a eu un petit bug au niveau caméra, malheureusement. Des fois, la technologie, tu sais, on se fie là-dessus, mais des fois, tu sais, c'est ça bug. Fait qu'on va essayer de vous relancer d'une façon le message de la semaine dernière, parce qu'il y a juste enregistré la louange la semaine passée. Je comprends pas pourquoi. Mais on va essayer de vous relancer ça cette semaine, sans problème. Pourquoi, en fait, que vous pensez que ces fêtes bibliques-là peuvent changer notre perspective? Parce que elles révèlent, en fait, si puissamment la personne de Dieu et la façon dont il nous perçoit. OK? Puis tout ça, ça a un impact sur nos pensées, nos émotions, nos paroles et nos actions en ce moment même. Et puis aujourd'hui, ce n'est pas une exception à la règle. On va voir la fête de la Soukotte. Donc, le titre du message, « Rendons grâce, Soukotte ». Ça va? Est-ce que vous êtes prêts? Je vais faire du sens avec tout ça, OK? Là, stressez-vous pas, Soukotte, Chichtaouk. Donc, la fête de la Soukotte, ou on peut l'appeler fête des cabanes ou fête des tabernacles, c'est une fête, en fait, qu'on fête pendant 7 jours. Et puis, cette année, en 2021, c'est du 20 au 27 octobre. Donc, ça s'en vient bientôt. Je pense qu'on est le 17. Mais dans 3 jours, on commence la fête de la Soukotte. Et puis, la fête de la Soukotte, c'est un moment où nous nous réjouissons et rendons grâce pour la provision, la protection et la présence de Dieu. Et puis, entre autres, je vais vous lire quelques petits faits qui vont apparaître à l'écran de ce que c'est la fête. Donc, traditionnellement, on construit une souka, en fait, qui est une cabane ou une hutte dans un jardin ou sur un balcon. Peu importe où tu veux la bâtir, tu la bâtis. Okay. Puis en Israël, en fait, les familles, eux autres, ils vivent dans les soukas pendant toute la semaine. Je ne sais pas si c'est pareil ici, sûrement que oui. On me dit que oui, c'est pareil ici. Donc, on habite dans la souka toute la semaine. Et puis, les soukas, en fait, représentent les tentes dans lesquelles les Israélites vivaient dans le désert. Ils nous rappellent, en fait, la fidélité de Dieu qui pourvoit à tout nos besoins. On s'entend que, tu sais, quand ils ont passé 40 ans dans le désert, dans les tentes, ça nous rappelle un peu de ça, puis ça nous rappelle de comment Dieu était bon. Guys, pendant 40 ans, qu'ils ont porté les mêmes sandales, puis comme, sont pas mortes, leurs sandales. Je sais pas pour vous, mais je sais pas si vous avez une paire de chaussures qui vous durent 40 ans, vous autres. Mais, je pense pas que les matériels de ces jours-ci vont durer 40 ans, mais eux autres, leurs souliers, on dirait 40 ans. Et puis, la présence de Dieu les a toujours guidés tout au long de leur voyage dans une colonne de nuée le jour et de feu la nuit. Fait que cette fête-là, c'était pour réaliser à quel point Dieu prend soin de nous. Et puis, si je peux donner un deuxième titre à mon message ce matin, ça serait « Vivre l'intimité avec Dieu ». Est-ce qu'on est prêt de plonger encore plus dans le sujet? On est prêt? Vous me laissez prendre une petite gorgée d'eau avant? Donc, je vais fermer ça parce que je suis gaffeux puis je ne veux pas que ça tombe sur mon laptop. Bref, donc le thème principal en fait de la fête de la Soukotte ou des cabanes, peu importe comment vous voulez l'appeler, c'est Dieu
habite en nous. Est-ce que vous pouvez le répéter avec moi? Dieu habite en nous. Puis c'est une vérité qui est vraiment significative parce qu'elle révèle en fait la passion du cœur de Dieu à notre égard. Puis Dieu veut toujours en fait demeurer en relation avec nous. Puis en fait, si on y pense, c'est peut-être la seule chose dans le monde entier qui ne changera pas. Le fait que Dieu va avoir une relation avec nous. Même depuis le début, là, tu sais, quand on retourne, on rewind la cassette, Adam et Ève dans le jardin, on connaît toute l'histoire. Dieu y avait un plan et puis savait qu'il allait toujours avoir une relation intime avec nous. Puis ça, c'est à travers l'histoire de Jésus, comme Marie-France l'a lu. C'est drôle parce que c'est exactement là où je voulais mettre l'accent, qu'il est mort pour nous. Et puis justement, pour rétablir cette relation-là, que nous, on puisse en avoir avec Dieu à travers le Saint-Esprit. Puis j'ai une petite histoire pour vous ce matin, c'est que pour une plus grande partie de ma vie, j'ai cru en Jésus comme mon Sauveur, comme mon Seigneur, mais j'avais de la misère à avoir une relation profonde avec lui. Est-ce que je suis seule qui vit comme ça? J'avais l'impression de toujours comme le chercher, c'est comme je le recherche, mais je le sentais pas, puis je pouvais pas comme prendre le prochain pas avec lui. Puis un jour, alors que vous me connaissez peut-être, je me regardais devant le miroir pour voir si mon outfit était correct avant de venir à l'église. il y a toujours des étages. Je me regarde dans le miroir, OK, ça passe. Puis là, je demande à ma femme, est-ce que ça passe? Si ça passe les deux, on est correct, on vient à l'église comme ça. Alors que je me regardais devant le miroir, je me suis dit, pourquoi est-ce que j'ai l'impression de comme chercher? Tu sais, je me suis écrit à Dieu, j'ai dit, pourquoi est-ce que j'ai l'impression de te chercher, mais de jamais te trouver? Ça vous est-il déjà arrivé? Puis aussitôt que j'ai dit ces paroles-là, Dieu m'a mis à cœur, il me dit dans mon esprit, André, au lieu de tendre la main vers l'extérieur, il dit, pourquoi est-ce que tu ne fais pas juste regarder à l'intérieur? Puis j'ai fait comme... Répète-moi donc ça, s'il vous plaît. André, au lieu de tendre la main vers l'extérieur, pourquoi est-ce que tu ne regardes juste pas à l'intérieur? Je suis là. Je suis juste là. La parole de Dieu, en fait, vit en nous. Ça, là, c'est ma cabane. Mais pour beaucoup de gens, en fait, c'est difficile de comprendre. Puis j'en faisais partie, j'en fais toujours partie des fois. Galates 2:20 nous dit, « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Puis un peu plus tard cette semaine-là, tu sais, comme, OK, là, je suis comme, yes, j'ai mon jus pour monter la pente, tu sais, ça va bien aller. Non! Plus tard cette semaine, je marchais dans la maison, tête abaissée, abattue, mort. J'étais comme, je peux plus, c'est difficile la vie, pourquoi? Puis je me plaignais. Ça vous arrive-tu de vous plaindre, vous autres? Puis là, ça commence. Puis là, je suis comme, Dieu, tu sais, je suis fatiguée. Pourquoi je vis toutes ces batailles-là? Pourquoi j'ai toutes ces tentations-là? Pourquoi tu ne fais pas rien? Quand est-ce que je vais avoir une percée? Quand est-ce que je vais devenir meilleure? Ça vous arrive-tu? Puis encore, à ce moment-là, Dieu m'a rappelé qu'il vivait à l'intérieur de moi. Puis que seule cette parole simple-là devrait m'emmener une joie qui surpasse toute autre chose. Je t'ai dit, je suis comme cette semaine-là, j'en ai des claques d'en face. Hein? Mais c'est des choses qui sont importantes. Puis est-ce que ça vous est déjà pensé comme, OK, mais Dieu, est-ce que tu es à l'aise, tu sais, en moi, tu sais, comme, est-ce que tu te sens chez toi? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question-là?
Non? Je suis le seul qui sait. Tu sais, je suis comme, gars, c'est ma cabane. Mais ma cabane est-tu assez belle pour toi? Ma cabane est-tu assez grosse pour toi? Est-ce qu'il y a trop de choses dans ma cabane? Parce qu'on est conscient que la vie intérieure est constamment dans la tourmente, des fois. Tu sais, on vit des choses. Oh, on se ramasse un meuble de plus. On vit une autre chose. Oh, on se ramasse une grosse télé. On vit quelque chose. Oh, on se ramasse un autre meuble. Ça devient genre un attique qui a plein de choses qu'on ne peut même pas vivre dedans. Puis j'aimerais vous lire ça ce matin. Si nous voulons être une maison confortable pour le Seigneur, on doit apprendre à habiter dans la paix et la joie en lui faisant confiance pour prendre soin de nous. Et puis, quand j'étais jeune, je me souviens, puis j'ai voulu vous prendre une photo, mais j'ai pas pu. Mais quand j'étais jeune, j'ai construit une cabane avec mes deux sœurs puis mon papa. Puis c'était vraiment comme une vraie cabane. C'était dans le bois. Chez nous, comment ça fonctionnait? C'était que, tu sais, le terrain était comme ça. Ensuite, tu avais comme le boisé qui commençait comme, mais comme sur un autre comme étage, là, si on peut dire ça comme ça. Et puis, j'étais comme, ah, oh, papa, ça serait nice, tu sais, de comme conduire un pont qui se rend à ma cabane. Puis je veux de l'électricité dans ma cabane parce que je veux pas que ce soit comme, tu sais, comme, on ne peut pas faire de feu dans la cabane. Fait que j'ai dit, je veux comme juste allumer la switch. Puis mon père, il a eu du fun, on a construit ça, ça nous a pris comme presque un an, là, quand même, parce qu'il fallait monter la cabane, il fallait construire le pont, il fallait... Mais c'était vraiment le fun parce que mon père nous a laissé comme décorer comme on voulait à l'intérieur. T'sais, on a peinturé bleu flash, on peinturait nos mains, on les mettait partout sur les murs. C'était vraiment, vraiment le fun. Puis je me souviens, mon premier sleepover, là, tu sais, dans la cabane, c'était dans le but de comme, tu sais, se décoller un petit peu des parents, puis inviter des amis, puis tu sais, dormir ailleurs, là, tu sais. Puis je me souviens, j'avais invité mon cousin, puis ah, oh, qu'on avait du fun dans la cabane, on emmenait des jeux, on emmenait des flashlights, puis c'était comme, tu sais, c'était comme le party un petit peu, là, parce que, tu sais, les parents sont pas là, fait qu'on peut crier, on peut parler fort, on peut, puis ils nous entendent pas, tu sais, fait que c'était le party, on avait du fun, on se lançait nos oreillers, on avait du fun. Mais, dans les débuts, tu sais, je sais que mon père, il vend des recouvrements de fenêtres, OK, mais dans les débuts, on n'a pas eu le temps d'en mettre, OK? Fait qu'on s'est dit qu'on va mettre des sacs de vidange. On a ouvert un sac de vidange, on a collé le sac de vidange sur les fenêtres. Et puis, tu sais, quand t'es jeune, des fois, ton imagination est comme vraiment comme trop intense des fois. Fait que là, on a commencé, oh mon doux, mais il y a un trou dans ce sac-là. Fait que imagine qu'il y ait comme un œil rouge, tu sais, comme qui passe, comme, puis là, qui nous fait peur, puis là, ci, puis là, ça, puis là, ci, puis là, ça. Puis là, en dedans de la cabane, on a commencé à stresser, on a commencé à comme, oh mon doux, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai entendu un son, c'est quoi ce son-là? Combien de fois dans notre vie que c'est comme ça? T'sais, dans notre cabane, des fois, on fait le ménage, mais c'est l'extérieur de la cabane qui vient chambouler toutes les choses. Alors, j'ai une question pour vous ce matin. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir éloigné de Dieu ou de penser qu'il ne vous écoute pas parce qu'il ne répond pas à vos prières? Peut-être avez-vous déjà eu l'impression que vous le déceviez, que vous ne pouviez pas répondre à ses attentes ou qu'il en avait tout simplement assez avec vous. Ça vous est déjà arrivé? Chaque fois qu'on se sent comme ça, il faut se poser une question. Il est essentiel qu'on se demande ou qu'on demande à Dieu de nous montrer les mensonges que l'on croit à son sujet. Parce que la vérité, c'est que lui ne s'éloigne jamais. C'est les mensonges qui sont à l'origine de ces sentiments-là. Et puis c'est ça, hein? De l'extérieur, c'est que l'ennemi, lui, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut nous attaquer avec des mensonges. Il veut nous lancer des mensonges. Il veut qu'on croie des choses qu'on ne croit pas. Et puis, on voit dans Jean 8, 44, l'ennemi ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. C'est lui, guys, le père de la source des mensonges.
Et puis, j'en ai cru tellement des mensonges dans ma vie. J'en ai listé une liste que vous allez voir. Dieu, il est imprévisible. Il n'est pas toujours là quand j'ai besoin de lui. Il veut que je porte ses fardeaux à lui. Il veut que je sois malheureux. Il observe, mais ne s'implique pas dans les détails de ma vie. Il est avec toutes les autres, mais il n'est pas avec moi. Il est en colère contre moi. Et la liste continue. Est-ce que vous êtes à la même place que moi, des fois? Puis là, ça m'a fait penser, c'est vrai, hein, que l'ennemi, ce qu'il aime faire, c'est comme nous attaquer. Puis là, ça m'a fait penser, comme, je viens d'acheter ma maison, ça fait un an que je suis dans ma maison. Puis je me dis, pourtant, je n'inviterai pas le voleur dans ma maison. Right? Puis, est-ce que je vais attendre que le voleur vole quelque chose dans ma maison avant d'installer des mesures de sécurité? Je pense que ça serait bien de les installer avant. Hein? Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça pour notre être spirituel? Pourquoi est-ce qu'on n'arme pas notre cabane à nous? Non, mais on n'a pas besoin, tu sais, comme il vit en dedans de moi. Je ne suis pas obligée de l'armer. Je ne suis pas obligée, bien... Le voleur vient voler. Dans Jean 8, 32, on voit, « Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Qu'est-ce qu'il faut faire, guys? C'est qu'il faut passer du temps avec Dieu, il faut lire sa parole, et puis pour qu'elle vienne descendre au plus profond de nous-mêmes. Pour qu'on puisse l'utiliser comme une arme contre notre ennemi. Et alors que je vais inviter le band à remonter ce matin, cette saison... Permettez à la fête de Soukhot de vous encourager avec la vérité que peu importe ce que vous ressentez à l'égard de Dieu, il désire une relation intime avec vous. On va vous faire un petit medley de chants. Mais j'aimerais qu'en tant qu'Église, on puisse prendre un moment, ouvrir la porte de notre maison, puis voir s'il y a des meubles qu'on doit sortir, pour voir s'il y a des choses qu'on doit sortir pour que Dieu puisse prendre place primaire dans notre cœur. Et puis, j'aimerais, alors qu'un petit fond musical embarque, vous déclarer quelques vérités ce matin. Dieu aime être avec vous, se réjouit de vous, ne peut s'empêcher de penser à vous et ne peut détacher ses yeux de vous. Il te trouve beau, même dans ta faiblesse, et tu ne peux rien faire pour empêcher son amour de venir vers toi. Lui seul et personne d'autre peut te fournir ce genre d'amour parfait qui ne changera jamais. Dans un monde si incertain, c'est un point d'ancrage auquel tu peux t'accrocher. Dieu veut vivre en toi. Dieu ne cesse jamais de vouloir avoir une relation avec toi. En fait, il veut passer du temps avec toi et se réjouit de faire ainsi. Donc, alors qu'on va chanter ces chants-là, prenez un moment, entrez dans votre maison interne et voyez ce que Dieu veut changer là-dedans. Je veux être en sa présence pour le connaître, pour mieux l'aimer. Je veux être en sa présence pour découvrir le Dieu d'éternité. Je veux être en
présence, car j'y retrouve la liberté. Déclarons-le. Je veux être en sa présence pour le connaître, pour mieux l'aimer. Je veux être en sa présence pour découvrir le Dieu d'éternité.
donné pour toi toute ma vie au pied de la croix. Toute ma vie à marcher dans tes voies. Toute ma vie à rester près de toi. La tempête fait rage et que les vents me font perdre courage. Je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Chantons toute ma vie. Toute ma vie l'a donnée pour toi. Toute ma vie au pied de la croix. Toute ma vie a marché dans tes voies. Toute ma vie a resté près. Tempête fait rage et que les vents me font perdre courage. Je m'appuie sur le rocher, sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Chantons et même si la tempête fait rage, oh, et que les vents me font perdre courage. Je m'appuie sur le rocher. Déclarons-le et même si, chantons le plus fort qu'on peut. Et même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage, je m'appuie sur le rocher. Toute ma vie au pied de la croix.
viens faire le ménage en nous. Prends place primaire dans notre cabane, dans notre soukote à nous. J'aimerais qu'on puisse terminer ce service avec un dernier chant qui est « Ce nom est si merveilleux ». Vous êtes prête à le chanter avec nous? Yeah.
bon. Puis ça, guys, là, c'est pas juste dans cette soukotte ici, hein, que vous pouvez avoir cette présence-là. Ça peut être dans la vôtre, à votre adresse. Mais je pense que c'est important qu'on fasse un petit ménage là-dedans. Puis qu'on laisse place primaire à notre Papa Céleste. Alors, prions ensemble pour clôturer ce service. Papa, merci, Seigneur, pour ce que tu nous apprends à travers les fêtes de la Bible, Papa. Seigneur, viens parler à mon cœur. Viens enlever les vieux meubles de mon attique. Viens prendre place première dans mon cœur, Papa. Puis, Seigneur, aide-moi à m'équiper pour qu'on puisse se battre pour toi, Papa. Qu'on puisse enlever tous les mensonges de notre cœur. Vient de se passer, c'est que notre Papa Céleste est comme multilingue. Hein? Il parle dans plein de langues. Et puis, il a parlé à Marie-Claudine dans une langue spécifique. Mais c'est qu'il a donné aussi l'interprétation du message qu'il voulait dire. Alors, si c'est pour vous ce matin, prenez-le dans votre cœur. Gardez-le là. Je sais pas pour vous, mais après un moment comme ça, moi, ça me tente toujours de me réjouir. Qu'est-ce que vous dites qu'on fasse le deuxième chant de Dieu d'éternité, puis qu'on le déclare pour clôturer avant qu'on fasse les annonces? Ça vous va? Moi, j'aime pas. Tu sais, quand Dieu est là, j'ai tout le temps le goût de me réjouir, de sauter puis de danser. Donc, on va chanter Dieu d'éternité avant de faire les annonces. C'est bon? On n'a pas pris la dîme. C'est tout de suite après. C'est ça que tu viens de dire? C'est ça. Comment tu t'es parlé? C'est pour celui
Jésus, l'Emmanuel, Dieu avec nous et Dieu en nous. Alléluia, nous sommes la maison du Seigneur. Alléluia, c'est une question d'attitude, c'est une question de célébration. Et ce matin, on est bénis d'avoir entendu ce message, d'avoir loué le Seigneur ensemble, n'est-ce pas? Alléluia, que ça fait du bien, que ça fait du bien à nos âmes. Alléluia, ça nous réjouit, ça nous donne la paix, on va ressortir d'ici dans la joie du Seigneur, alléluia. Et ce matin, je veux juste vous encourager à continuer de supporter l'Église. On va faire appel à nos préposés aux dîmes, aux offrandes, à s'avancer. Combien étaient là lorsqu'on a célébré le 5e anniversaire de l'Église? On avait fait une annonce spéciale ce dimanche-là, comme quoi que nous vous avons mis sur pied un fonds d'urgence pour venir en aide aux gens qui passent par des moments difficiles. Et on avait pris une offrande spéciale ce dimanche-là. Et ce matin, je veux vous annoncer que le montant était de 545 $. Donc, bravo, merci beaucoup pour votre générosité.
Et dès ce matin, le comité d'administration avait déjà planifié avec ce montant-là de venir en aide à la DPJ à travers Marie-France. Et on va ce matin remettre des cartes cadeaux de Walmart pour que des gens qui passent par des moments difficiles puissent se procurer soit des vêtements, soit de la médication, la pharmacie ou même de la nourriture. Donc, on lui fait confiance. On va remettre un montant d'argent entre ses mains ce matin. Et merci pour votre générosité. Si jamais des gens qui veulent continuer de donner, vous pouvez le faire chaque semaine, si vous le désirez, à partir de l'enveloppe de dîmes ou bien par Internet en laissant une petite note à la secrétaire comme quoi que vous voulez désigner un montant pour fonds d'urgence. Et les montants que vous allez donner pour cela vont être dirigés pour ces besoins-là. Donc, merci. Merci pour votre générosité. Merci d'être là. Et on continue d'avancer ensemble dans le Seigneur. Seigneur, on te remercie ce matin pour ces dîmes et ces offrandes que nous allons recueillir. Merci de pourvoir aux besoins, Seigneur, de tous les besoins de cette maison spirituelle que nous représentons pour l'Église, Seigneur, communautaire Mountain View. Seigneur, on remet toutes choses entre tes mains. Et Seigneur, on te fait confiance et on se repose en toi, on s'appuie sur toi. Et Seigneur, je te prie de bénir chaque famille et chaque personne ce matin dans ce lieu. Et Seigneur, que nous puissions continuer de nous réjouir dans le Seigneur ce matin. Au nom de Jésus, tout le monde dit amen et amen. Bonne semaine à tous, bon dimanche. Prenez le temps de vous saluer les uns les autres dans le Seigneur.